matin, on a eu la chance de faire une initiation à la voltige à travers un vol de mise en garde. C'est un sport aérien, donc on est tenu de mettre un parachute. Donc on vient de nous expliquer comment on met le parachute sur les épaules, attention à ne pas tirer la poignée, bien sangler en parachute si jamais il venait à y avoir un problème pendant le vol. Voilà, et après tu prends les deux côtés là, tu vois. Faut pas hésiter à faire ça pour être sûr qu'elle est bien verrouillée. Et t'essayes de soulever tes fesses. Ah, ça soulève encore beaucoup. Hein. Il essaye de la jouer confort, mais on va l'avoir quand même. Avec l'instructeur en voltige qui nous guidait oralement, qui pouvait nous les montrer une première fois, mais qui essayait le plus possible de nous laisser les commandes. Le but étant que nous, on puisse vraiment se retrouver dans la situation dangereuse et qu'on arrive à mettre en œuvre la parade adaptée pour qu'ensuite on sache faire et reproduire dans nos avions. Et donc, le principe de la vrille, c'est un décrochage dissymétrique. Si on veut sortir de vrille, on va donner une action contraire, donc le pied à droite à fond. Ouais. L'avion va sortir de sa rotation de vrille, à ce moment-là on remet les pieds au neutre et on fait la ressource vide et la remise vide. Ouais. Okay. On ne peut pas ressentir dans un manège des sensations comme ça, c'est vraiment magique de pouvoir faire ce que l'on veut à l'avion et se balader dans les trois dimensions, c'est vraiment génial. Après un vol de voltige, on peut être content de retourner vers la terre aussi, parce que ça retourne un petit peu l'estomac quand on est un petit peu sensible. Voilà, je suis un peu sensible, donc on est bien barbouillé après le vol. Donc on est content de revenir au sol, mais on a envie de repartir encore. Je te remercie beaucoup, je t'en prie, c'était un plaisir. Merci. On se rend vraiment compte des situations dangereuses, des réactions sur l'avion, et ça nous apprend à être d'autant plus rigoureux sur certains éléments de l'appareil. En fait, j'aimerais vraiment poursuivre là-dessus parce que ça m'a donné envie de, quand je les vois voler en meeting aérien, notamment l'équipe de voltige de l'armée de l'air ou encore tous nos champions de voltige, ça me donne envie de pouvoir me perfectionner au niveau du pilotage et peut-être à terme de voler comme ils le font. Pour présenter l'aéroclub de Bourges, je dirais que l'aéroclub pour aujourd'hui repose sur trois pieds, le vol moteur, l'aéromodélisme et le planeur. Nous avons une centaine de membres et nous effectuons un peu plus de 1200 heures par an. On fait de l'école, bien sûr, mais on fait aussi du voyage. Et au niveau de la voltige, nous avons un aéroclub qui s'appelle Bourges Voltige et qui, lui, est essentiellement versé pour la voltige. Aujourd'hui, nos portes ouvertes s'articulent sur deux événements majeurs. Le premier événement, c'est le 90e anniversaire de l'inauguration de l'aéroport. Il faut savoir que quand l'aéroport a été inauguré le 1er juillet 1928, c'est l'aéroclub qui s'est porté acquéreur de tous les terrains que vous voyez là, qui sont autour de nous et qui forment la plateforme aérienne de Bourges. Le deuxième événement, ce sont l'étape du Hop Tour. Ça crée une telle dynamique que ça redonne de l'essor à l'aéroclub et aujourd'hui on est très très fiers que ça rejaillisse sur l'ensemble de la population et qu'on puisse augmenter le nombre de nos membres et par voie de conséquence augmenter le nombre d'heures. Vous faites un tour de France. Ah bah c'est génial. Bah volez bien les gars et les filles, les gars.